Bonjour, chers élèves. On va vous présenter une leçon d'activité de géométrie. Mais avant d'abord, on va vous rappeler les gestes barrières. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, utilisez le gel hydroalcoolique. Bien porter les masques. Le gel hydroalcoolique. Bien porter les masques. Maintenant, donc, on va commencer par la révision. Ici, on a dit consigne, trace un carré de 5 cm de hauteur. Vous me tracez sur les ardoises un carré de 5 cm de côté. Levez. Très bien, très bien, très bien, baisse. Très bien, très bien, très bien, baisse. Au tableau, qui va ouvrir le tableau, vous tracez un carré de 5 cm de côté. Oui. Vous l'avez marié. Donc ici, avec les deux, vous avez ici vos doubles dessus. Mais ici, on va prendre la règle. Ici, la règle, ici, on n'a pas de. On va prendre cette règle-là, qui fait au total combien de mètres? Un mètre. Maintenant, on a dit de tracer un carré de 5 cm avec la règle et le compas. On va utiliser aussi le compas pour tracer. Là, on va prendre le compas et mesurer 5 cm. Donc ici maintenant, sur cette règle, on n'a pas de centimètres, on va prendre, on va remplacer les 5 cm par des décimètres sur cette règle. Donc on va mesurer 5 décimètres sur la règle, 5 décimètres. On va prolonger la droite. On prolonge ici encore. Thank you.
Donc ici, on va vérifier. Ici, on a combien de décimètres? Ici, on a 5 décimètres. Ici encore, on a combien de décimètres? 5 décimètres. Ici encore, combien de décimètres? Encore 5 décimètres. Le quatrième côté. On a 5 décimètres. Donc tous les 4 côtés mesurent 5 décimètres. Ici donc, on a un carré de 5 décimètres. Corrigez. Donc ici, on va vérifier les angles. On a quel angle? Quel type d'angle avons-nous ici? On a un angle droit. Très bien. On a l'angle droit ici. Encore, ici on a un angle droit. Si encore on a un angle droit. Si encore un angle droit. Donc nous avons combien d'angles droits ici? Nous avons 4 angles droits. Et si combien de sommets ici? 4. 4 angles droits. Un carré qu'on peut nommer comment? A, B, C et D qui a 4 angles droits et 4 sommets. Les sommets sont 1 sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets. Donc ici on a un carré de 5 décimètres au tableau. Maintenant, on va passer à notre leçon du jour. Donc maintenant, la révision est terminée, on va passer à la leçon du jour. Donc, chacun prend sa feuille. Chacun prend sa feuille. Observez bien. Chacun observe sa feuille. Regardez ici, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, ici, on a une feuille. Regardez, on va essayer de mesurer la feuille, les différents côtés de la feuille. On va mesurer la première partie, cette partie-là, posez la règle, prenez vos doubles décimètres et mesurez. On va mesurer ensemble. Mesurez. Vous avez trouvé combien? Oui. Vous écrivez la longueur que vous avez trouvé. En haut ici sur la feuille. Écrivez ça ici. Maintenant, on va mesurer l'autre côté. Cet côté-là. Ce côté-là. Mesurez ce côté. On pose la règle et on mesure. Écrivez encore le nombre que vous avez trouvé. On va encore mesurer l'autre côté. Écrivez encore la mesure que vous avez trouvée là-bas. Maintenant, on mesure encore le côté qui reste.
Voilà, écrivez encore. Maintenant, regardez ici. Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Vous voyez, Moustapha, on a constaté que ici, les quatre côtés n'ont pas les mêmes mesures. Regardez, les quatre côtés n'ont pas les mêmes mesures. Regardez ici, les quatre, moi j'ai trouvé ici, comment on appelle cette partie-là? Oui, Justine, c'est la longueur. Très bien, c'est la longueur. Ici, la longueur mesure combien? Oui, Oulay, la longueur mesure 29 cm. Très bien. Ici, et comment appelle-t-on cette partie-là? Oui, Hadija, la largeur. Très bien, Hadija. Ici, la largeur mesure combien ici? La largeur mesure 22 cm. Très bien. Donc ici, on a trouvé les deux ici, c'est une longueur et ça aussi, c'est une longueur. Les deux longueurs ont la même mesure et les deux largeurs ont aussi la même mesure. Ici, on a les deux longueurs qui mesurent combien? Le mesure est égal à 29 cm. Ici maintenant, les deux largeurs. Leur mesure est égal à 22 cm. On a deux longueurs qui mesurent 29 cm et deux largeurs qui mesurent 22 cm. Maintenant, comment appelle-t-on une... Regardez encore ici. Ici, regardez ici de ce côté là ici on a combien, regardez ça, comment on appelle les sommets. Très bien, on a combien de sommets ici dans cette figure? On a combien de sommets? Ouais, Jabel, ici on a quatre sommets dans cette figure. On a quatre sommets. Très bien, Jabel. Maintenant ici, regardez. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Maintenant, on va mesurer encore les angles. Vous posez, vous prenez votre équerre et vous mesurez les angles. Mesurez encore. Très bien, si on a un angle, vous allez matérialiser les angles ici. Vous prenez vos craies et vous matérialisez les angles. On va matérialiser les angles ici. Ça, c'est quel type d'angle ici? Regardez, on a ici un angle. Ça, c'est quel type d'angle? Oui, Abdou Karim, c'est un angle droit. Très bien, ici on a un angle droit. Maintenant, on va continuer. Est-ce que nous aurons dans les quatre côtés des angles droits? Est-ce que tous les quatre côtés vont former des angles droits? On va mesurer encore pour voir. Il faut bien poser. On a encore un angle. Regardez, je vais matérialiser l'angle. J'ai ici encore quel type d'angle? Vous avez quel type d'angle là-bas? On a encore un angle droit. Très bien. On a aussi un angle droit. On a deux angles droits. On mesure le troisième côté pour voir quel type d'angle aurons-nous. Matérialiser. On a encore un angle droit. Maintenant, le dernier côté. Regardez ici, on a combien d'angles droits ici? Oui, Hadija, on a ici quatre angles droits. Ici, on a quatre angles droits. Quatre angles droits. On a quatre angles droits. Donc maintenant,
On va essayer de tracer. Tracez-moi une diagonale. Tracez-moi le milieu. Coupez au milieu. Tracez le milieu. On va essayer de tracer. On trace encore le milieu des côtés opposés. On trace encore les deux sommets qui restent. Ou bien on joint les deux sommets. Maintenant, on va tracer les milieux des deux côtés opposés. On va mesurer les milieux pour voir où se trouvent les milieux. On prend la règle. Maintenant, on joint les deux côtés, le milieu des deux côtés. Les deux côtés opposés qui restent. Joint les deux côtés opposés. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a joint ce sommet et ce sommet. Comment on appelle ça? Cette droite-là qui joint les deux sommets opposés. Mustapha, c'est une diagonale. Très bien, on a une diagonale. Comment appelle-t-on ce segment-là qui joint les deux sommets opposés? On l'appelle une diagonale. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on aussi le segment qui joint les milieux des deux côtés opposés? Comment on l'appelle? Moussaba. On appelle ça une médiane. Très bien. Une médiane. On a une médiane. Maintenant, dans cette figure, on a deux côtés qui sont égaux. Comment?
Ego, mais comment? Comment ils sont égaux? On a combien de côtés? Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. On a deux, quatre côtés. Comment? Ils sont égaux. Mais comment? Est-ce qu'ils sont tous égaux? Oui, je suis. Non, ils ne sont pas tous égaux. Maintenant, comment ils sont égaux? Abdou Karim, ils sont égaux 2 à 2. Cette longueur est égale à cette longueur. Cette largeur est égale à cette largeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore dans cette figure? On a encore 4 angles droits. 1 angle droit, 2 angles droits, 3 angles droits, 4 angles droits. Et quoi encore? On a 4 sommets. 1 sommet, 2 sommets, 3 sommets. 1 sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets. Qu'est-ce que vous voyez encore dans la figure? On a Mustapha, on a une ou bien des diagonales. Une diagonale, deux diagonales. On a dans cette figure deux diagonales. Et quoi encore? Khadija, deux médianes. Maintenant, comment appelle-t-on? Ne les aidez pas en évaluation car vous les rendez un mauvais service.